Salut, bienvenue à Matt's Rebuild. Aujourd'hui, je vais faire les freins sur la prélude. Dans le fond, je m'attends à ce qu'il y en ait au moins un de saisi. Quand on l'a sorti, c'était pas super, là, ça voulait pas rouler. Donc, je commence ça. À tantôt. Bon, on va aller chercher les 10, les lignes kit. Petit fitting aussi pour rabouter ma hose à clutch. Fait qu'une bonne façon de dépenser 254$, les deux lignes kit avant, le petit fitting pour rabouter la hose, puis les 4 disques. Ok. Celle-là, il est bon. Comme que je pensais. Là. C'est celle-là qui est rebuilt. Il n'y a pas de trouble. Mais les trois autres qui sont là, c'est de la junk. Plus les deux autres qui sont sur le char. Fait que j'ai 5 calipers junk. Va falloir en commander un. Commander ça sur mon site favori pour les aubaines. Sur rockauto.com. On va aller voir ça pour les prix. Je commande ça tout de suite. Fait que le job de break est stand-by. Fait que le neuf que je parlais, c'est beau, hein? Avec du beau hardware neuf. Bottes dorées, quand c'est neuf. Bon, celle-là aussi, je vais le peinturer parce que on peut voir là. Focus. Ça commence déjà à rouiller, c'est neuf. Fait que, on va protéger les deux. Ça devrait donner un beau fini impeccable. Ok, fait que là, on peut voir, j'ai fait un bon nettoyage. Je vais en faire une autre passe quand j'essuyais avec le papier bleu. Là, on voit qu'il y avait encore de la saleté. Fait que je vais encore nettoyer un petit peu plus. Puis après ça, ça embarque sur le primer, peinture. J'ai l'autre caliper aussi à préparer qui est neuf, qui va être un peu moins de travail que celui-là. Fait que là, c'est bien propre. Deuxième shot pour celui-là. Lui, juste une fois. Le flambant neuf, ça donne rien de le laver deux fois. Là, il est... Ouais, flambant neuf. Rebâti, là, en fait. Donc, je sortirai pas ça. Je vais essayer de bien masquer le caoutchouc. Tout bien graissé à neuf, là. Puis, ça n'a pas l'air de vouloir sortir facilement. Je ne tente pas de briser les caoutchoucs neufs. Donc, on va s'assurer de bien masquer ça. Donc, on commence par ça, masquage, après ça, primer. We'll be right back.
Ok, fait qu'on est rendu au primer. Ben autre affaire. Donc, on va bien la canette. Il suffit d'avoir des yeux à placer pour la peinture. Ok, le primer a fait une belle job. Super propre. On va en mettre 12 tonnes d'épais là. Celle-là, c'est celle-là qui était usagée. On voit que l'écriture a déjà un peu de peinture dedans. Anyway. Ça va être vraiment propre, je pense. Maintenant, on va mettre la peinture à haute température. Bon, ben, on y va pour la peinture. Donc ça fait déjà quelques jours que ça sèche. Là, je les ai défaites sur les petites broches. Je suis vraiment content du résultat. Qu'elle était là. Super propre. Bon, on va préparer le caliper qui était usagé. Bon. Généreusement. Trop long. Oups, on a mis des... Ok. Donc. Et voilà. Et là. Les deux cas, on nettoie l'excédent. Et voilà, c'est préparé, ça va être préinstallé. Ça
s'assure que ça bouge bien. Les deux gars, c'est parfait. Ok. Donc, il est fait. Travail complété, j'ai profité pour repeinturer l'intérieur d'elle, les morceaux aussi un peu, c'est propre, check it up. Les brakes, nœuds, là, aussi, ça avance bien. Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. On est rendu à 80 abonnés. On peut-tu se rendre à 100? Partagez avec tout le monde. Ça serait super apprécié. Un petit thumbs up en bas. Ça aussi, c'est toujours apprécié. Merci. On se revoit au prochain épisode. À la prochaine.